Salut les amis! Bon, nouvelle semaine, lundi, 6h15. Il fait nuit noire. On a eu un vent de marteau. J'ai cru que ça m'a renversé le camion. Oh, mais on exagère encore. Et ça reste encore un peu de vent. On a eu tout le week-end de la pluie, samedi, dimanche, donc on n'a pas travaillé. Mais ouais, les températures ont vachement descendu, donc sans vous mentir, là je suis en jogging pull. Sinon, les amis, bon bah mon week-end je l'ai passé à réparer mon plafond quoi. Bricolage, voilà, bricolage, nettoyage. Bon là c'est un peu le boston. Hein. Puis voilà quoi, on a passé le week-end à l'abri, surtout le dimanche. Passé à saucer. Voilà. Bon, moi je vais me refaire un petit café. Il est 6h20. Et puis voilà, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, comme on dit. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure dans les champs. Bon, ça va être bientôt l'heure. Moi je suis le premier, on se retrouve pour cette parcelle là. Putain, l'image elle est dégueulasse, je sais pas ce que. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est dégueulasse. Il n'y a rien de net. Je voulais vous montrer, je sais pas si on va voir de là. Ouais, il va falloir que je vous reprenne pour zoomer un peu. Ah mince, ils ont éteint les lampes. On voit plus rien, merde. En fait, j'avais fait une vidéo, si je me rappelle plus du titre. J'étais monté à la cime de cette montagne il y a un mois. Et je voyais une vue à 360 degrés, je voyais même la mer qui était en face et tout. C'était magnifique, une vidéo que j'ai kiffé énorme. Et on dirait pas, hein, c'est vachement, je sais plus l'altitude qu'il y a, mais c'est énorme. Donc voilà, bon bah j'attends les collègues. Bah, moi comme je suis garé juste là, je suis le premier quoi. Voilà. Donc ils vont descendre, ils se garer là-haut, mon camion il monte pas quoi. C'est trop cascadeux. Puis on se retrouve ici pour la parcelle. Ouais, bah en tout cas, ça change bien de température. Bon, ils ont dit qu'on perdrait une dizaine de degrés. Hein. Après, ça va faire du bien pour travailler, hein, c'est sûr. Mais là, sans vous cacher, ouais, jogging, pull. Bon, j'ai relevé les manches, c'est pas qu'il fait froid. C'est qu'on y craint, voilà, on y craint par rapport aux températures de ouf qu'on a eues, quoi. Bon, bah sinon, Snow, je sais où il a dormi. Hein. Ça dépendait au moment où je le trouve au camion. Et sinon, il est en meute, voilà, avec les autres chiens. Ils s'entendent bien, c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, les amis. Bon, normalement, il devrait y avoir une nouvelle personne aujourd'hui, qui aurait dû arriver normalement hier. Ben, apparemment, elle n'est pas arrivée. Ou alors, elle s'est garée dans les hauts. Je sais pas. Enfin, c'est pas grave. Le boulot, il va faire pareil. Bon les amis, ce qui est arrivé devait arriver. Comme on dit, je pense que je suis vraiment foutu. Hein. Alors allez, j'ai fait 7h, 10h. Et mon dos a lâché. J'ai refait un lumbago. Donc là j'ai docteur cet après-midi. Et je suis dépité. Je suis dégoûté. Putain, je vous jure que ça me dégoûte. J'ai vraiment le dos foutu, quoi. J'ai le dos foutu et je sais pas, je sais même plus quel métier je dois faire. J'ai essayé tous les corps de métier, le dos lâche pour rien. Sur la médecine du travail, il me l'avait dit. Donc je vais voir, mais ça me brise bien les bonbons parce que j'ai besoin de thunes et en plus. Alors j'espère que ça va guérir vite là. Je verrai le docteur cet après-midi à 17h. Donc c'est les collègues qui m'emmènent parce que je peux même pas conduire du tout. Je peux à peine marcher. Enfin bon, vous connaissez ce que c'est que le lumbago. Hein. Voilà. Ben là j'ai plus qu'à aller me reposer, attendre le patron pour qu'il me fasse un papier AT quoi. Enfin je sais pas comment ça marche. Enfin voilà, ben, bon bref, je suis un peu dépité quoi. Voilà, je vous laisse. On voit pas les gars dans le champ là-bas. Si, ouais, ils ont la tête baissée. Ouais,
Ben, ça me fait bien chier en tout cas, mais vraiment grave, grave, grave. Hein. Et voilà les amis, ils sont tous au travail, donc j'ai été au médecin, voilà, médoc, voilà ce que j'ai à apprendre, ça me shoot mais carrément, je suis complètement shooté. Alors, par contre j'ai bien dormi. Parce que c'est des décontractants musculaires et puis l'autre c'est pour dormir. Ah oh, bah je suis HS là. Donc j'ai du coup au final j'ai une semaine d'arrêt de travail. Et voir la suite. Donc c'est bien l'imbingo, hein, tout au sens, je me connais. Voilà, donc c'est vrai que je me tiens comme un vieux. Alors j'ai les collègues qui sautent de ma gueule, eh, le vieux, machin. Bon, après c'est. Ils rigolent, hein. Enfin, j'espère parce que c'est vrai que c'est pas quand t'as un lumbago sévère comme ça. Enfin, c'est même pas le vrai sévère. Hein. C'est vraiment le début d'un lumbago. Parce que j'arrive à marcher et qu'un lumbago sévère, c'est bon, THS. Bref, je suis pas là pour me plaindre. Je suis anti-cachet, mais quand il m'arrive ces choses-là, je suis obligé d'y prendre. Quoi. Je pense que c'est les seuls cachets que je prends de ma vie. Bref. Eh ben, ouais, je suis tellement dans le pâté, shooté avec ces médocs, que je peux rien faire, j'ai le goût à rien, pff, il fait pas chaud chaud, il y a le soleil mais il y a un vent de froid. Pff, ils sont dans les champs, je ne sais où, il y a le 4x4 qui est là-bas, sinon, voilà ma semaine, comment je vais la passer, dans le plumard. Non, faut pas rester dans le plumard en fait. Enfin, c'est pas éviter. Quand j'ai trop mal, je m'allonge, mais faut pas trop rester. Vaut mieux pioter, marcher comme ils disent. Faire des étirements si je peux. Ouais, je risque même pas de me baisser. Quoi. Enfin bref, c'est grosse misère. Bref, bon les amis, café. Ce sera mon deuxième parce que voilà. J'ai rempli les papiers là, d'accident de travail que je vais donner au patron tout à l'heure. Et qu'il fasse la déclaration, et patati patata, enfin bref, ça me casse bien les couilles, quoi. Bon, allez, les amis. Profitez un max. Bon, les amis, ils ont fini la journée. Du coup, ils m'ont invité à faire une petite soirée. Bon, il est pas tard, hein, il est que 17h. Donc, moi, j'avais cuisiné, j'avais pas très faim, mais j'avais des choses à cuisiner, pour pas que ça périme. Bon, malheureusement, je filme alors que j'ai tout fermé, mais bref, on y verra peut-être tout à l'heure, dans la soirée. Donc, j'ai cuisiné une petite casserole, voilà, qui est à peu près pleine. J'amène un petit pack de bière. Voilà. On est 4 ou 5. Donc, voilà, c'est sympa de leur part. Malgré que j'ai vraiment horriblement mal, mais voilà, il faut savoir un peu se détendre avec les copains. Bon, bah, j'ai pris toujours mes médocs, hein. Je viens juste de les prendre. Hein. Voilà, j'ai pris ça. Et puis, du coup, Snow a mangé. Voilà, on est prêt pour une petite soirée. En sachant que eux, ils travaillent et que moi, demain, je travaille pas. Et ça me casse bien les bien. Mais bon, on va rester sage, c'est comme ça. Faut que je me repose. Faut pas que je joue au con parce que. Ça va me porter vraiment. Enfin bref, je trouve même pas les mots. Je pense que vous avez compris. Donc, faut savoir donner un peu de repos. Voilà les amis, bon ben petite soirée. Voilà. Moi j'amène ça. Chacun amène ça. Chacun amène un petit truc. Voilà. Puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais peut-être emmener le téléphone. Et puis si j'ai le courage de vous filmer un peu la soirée. C'est vrai que j'ai pas filmé la soirée du patron. Ouais que j'aurais pu hein, au final mais j'avais pas mon téléphone sur moi. Bon et oui des moments on est pris tellement dans l'ambiance dans l'ambiance voilà que le téléphone on y pense plus ou moins les amis. Je pense que vous comprenez. Bon allez moi ben je vais remonter tout ça tout le chemin traverser le pierrier comme je peux malgré mon mal de dos ça se fait mais on va y aller doucement les amis. Bon allez, je vous souhaite bonne soirée, puis peut-être à tout à l'heure ou à demain.
Bon, je garde les trois loups, puisque les collègues sont partis au boulot. Il y a une femme, je pense que c'est une femme, regardez. J'ai écouté japper et je me suis pas levé. Et regardez, elle a peur des chiens, alors qu'ils sont attachés. Hein. Elle va se faire chier dans le pré, là, pour passer. Attendez, on voit rien. Regardez, elle est dans le champ. Elle a peur des chiens. Moi, je vais aller la rassurer quand même. Elle a vraiment pris peur. Hein. Moi, je l'ai rassurée. Elle est arrivée, elle m'a dit ici, à la hauteur du petit pont, et elle savait pas la longueur de la laisse. Elle a fait demi-tour dans le pré. Comme ça. Tac, 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 tac. Elle est ressortie là-haut. Bon chien de garde. Alors, je sais pas qui c'est qui ronflait. Alors, Onyx, c'est sûr, c'est lui qui aboyait. Et après, les autres, ils ronflaient. Sacré meute. Bon, sinon, ben, moi, avec le médoc, eh ben, ça va de mieux en mieux. Je commence à me tenir un peu plus droit. Bon, après, je peux toujours pas forcer. Hein. Ça, j'en ai pour bien toute la semaine. Là, on est mercredi. Et ouais, j'en ai pour la semaine. Je pense que je pourrais rattaquer lundi. Si tout va bien, quoi. Voilà. Bon, les collègues sont tous partis sur Saint-Fréchou. Avec la voiture du patron. Donc, Saint-Fréchou, c'est là derrière, je crois. Voilà. Bon, on n'a pas un joli temps. Enfin, il fait pas chaud chaud. Il fait pas froid froid. Là, il y a du vent, c'est relou. Du vent, ouais, il y a des nuits, je vous dis, hein, je suis bercé, ça secoue le camion dans tous les sens. Enfin bref. Moi, je vais me refaire un petit café. Et puis voilà quoi. Un chien. Il est beau celui-là. Je sais plus ce que c'est berger allemand croisé loup de je sais pas quoi. Ouais, super bon. Bon chien de garde. Un Onyx. Oh oui, t'es beau. Puis là, il y a les chasseurs. C'est pour ça que les chiens, je les tiens attachés. Quoi. Je les lâche pas. Il y a les chasseurs. Ça pète dans tous les sens là. D'ailleurs, c'est bizarre que en période de vendange que là, ouais, les chasseurs peuvent tirer. Bizarre. Je recommence à vendange. Bref, allez, café. Et du vent, toujours du vent, encore le vent. Bonjour les abonnés. Bon, j'ai regardé en cachette le téléphone de papa. Et il s'avère que les 2000 abonnés arrivent. Bon, excusez-moi, hein, j'ai pas envie de vous regarder. Hein, je suis comme mon père. Hein, je me cache. donc, je disais, j'arrive bientôt aux 2000 abonnés. Et je pense faire un petit live direct. Donc, si ça vous intéresse, eh ben, vous me mettrez un petit commentaire. Moi, je suis encore sommeil, hein. Bon allez les amis. Bon, les collègues sont partis au champ, comme on dit. Hein. Et puis moi je vais aller récupérer les loups parce qu'ils ont laissé leurs loups attachés à leur camion. Et moi là je vais aller les récupérer pour les ramener avec Snow quoi, et puis attacher au camion, comme ça au moins il y a de la compagnie quoi. Et en plus le noir le. J'ai perdu son nom, Onyx. C'est un bon chien de garde. Ah, s'il y a quelqu'un qui s'approche, il s'est donné l'alerte. On a toujours du vent, ouais, comme vous écoutez hein, dans le téléphone. Putain, ce vent, ça fait plus d'une semaine que ça dure. Ça en devient un peu pénible. Je sais pas si on m'écoute bien dans le téléphone. Et puis, je sais pas si vous voyez, hein, je vais bien mieux, moi. Hein. C'est bon, hein, j'arrive à remarcher bien droit. Enfin, je ne veux pas dire que c'est guéri à fond, hein, puisque là, ça fait lundi, mardi, mercredi.
Ça fait 4 jours. Donc je suis arrêté, comme j'ai dit, toute la semaine jusqu'à samedi, quoi. Et normalement, à partir de lundi, on attaque le boulot. Voilà. Bon. On va escalader. Là, avec Julien, on voulait faire des... Je vais vous montrer. Au passage, je vais vous montrer aussi. En fait, là, il y a quelques pieds, là. Je crois que c'est juste à partir de ceux-là. Tac, 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 tac. Donc, ça, on a déjà tout vendangé, cette partie-là. C'était du rouge. Et là, c'est quelques pieds, c'est du blanc. Mais c'est du blanc de table. C'est pas du raisin. C'est des grappes, vous voyez. Carrément du raisin de table, quoi. Mais là, il arrive vraiment... Il va arriver à pruition, quoi. Donc, je sais pas pourquoi ils ont pas été ramassés. Alors, moi, je me sers. Ils sont super bons. Super bon, extra. Je vais aller visiter la petite maison. Là. Enfin, c'est fermé. C'est un local. Ouais, donc je disais, t'as de roche là. Parce que là, on traverse comme ça. C'est un peu pénible. Alors, on pensait avec Julien faire à peu près des escaliers, quoi. Parce qu'on escalade ça. Au moins, ça sera fait pour les autres années, quoi. En plus, il y a de la pierre plate, tout. Bon, ben, c'est sûr qu'avec mon dos, en ce moment, je vais pas m'amuser à soulever ça, quoi. Mais à plusieurs, voilà, on se fait 2-3 escaliers, quoi. Ce serait pas mal. Voilà. Bon, allez, je vais chercher les loups, moi. Ah, ça monte la garde, hein. Dès qu'ils m'ont eu. C'est moi. Oh là là. Ah, il est bien le camp là, mais voilà. Mon camion, bah, il passe trop. C'est pour ça que je suis garé à 100 mètres plus loin. Bah, bref. Ouais, c'est bon. Oh. Hey. Ouais. Je vous reprends. Ils sont excités, ces chiens. Affreux. Ah, Shadow, il s'est pris la corde dans la patte. Bon, on m'endorme, désolé. Hein. Il y en a un qui hurle à la mort là-bas, bah c'est Snow. Hein. Oh là là, c'est chiant, je te jure. Qu'est-ce qu'on va en faire? Hé, hey, Onyx, oh, à gauche. Au milieu de la route, c'est bon qu'il n'y a personne. Voilà, d'une main. Sur un skateboard, là, il me craque. Ouais, le petit vent est pas chaud non plus. Je suis en maillot, mais c'est pas chaud chaud. Il reste toute ce vigne à faire aussi, là, qui est pas prête. Ouais, moi j'ai besoin de mes deux mains, là, parce que il tire vraiment fort. Regardez. La meute. Ils sont contents quand ils sont ensemble. Hein. Ouais. Ils se protègent, ils sont ensemble, ils sont bien. Tranquillou. Ça donne envie, hein. Trois loups comme ça, ils sont beaux. Hein. Mais moi, je veux rester sage. Non. Faut savoir qu'un chien, ça coûte très cher. Donc, on n'a pas trop les moyens. Hein. Onyx, la terreur. Shadow. C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, c'est leur problème tous les deux. Ils se ronflent. C'est tout, il n'y a que ça, du ronflement. Faut rien. Bref, moi je vais me refaire un petit café, il est 10h. Et puis, voilà quoi les amis. J'ai vu aussi dans mes vidéos... Je dis beaucoup les amis, les amis, les amis, les amis. Je le dis à chaque démarrage, à chaque chaque reprise et tout. Et je crois qu'il va falloir que je commence à étudier ça. Ne pas le dire autant, parce que c'est vrai que... regardez les amis. C'est vrai que c'est un peu relou. Bref. Bon. Allez, sur ce, moi, café.
Ça fait du bien de faire un petit nettoyage quand même. Hein. Ça claque. J'ai donné un coup de propre. Bien, nickel. Eh ben, j'ai que ça à faire. Puisque je fais le gardiennage des chiens. Snow, il adore le soleil. Ouais, voilà. Un petit coup de propre partout. Ça claque. Le lit est fait, nettoyé, propre. Voilà quoi. Bon, c'est quelle heure? 2h15. Qu'est-ce qu'on va faire? On va m'a trouver quelque chose à faire. Déjà, ça va être l'apéro. Hein, j'ai réparé mon rideau. En fait, ces franges là, c'est joli, c'est bien, mais c'est fragile. Donc, ouais. Des moments, il y a des morceaux qui se détachent. Je les remets au fur et à mesure. Enfin, voilà quoi. Un joli ciel bleu turquoise. Il y a toujours ce vent de fou. Enfin, des rafales. Bon, si, je sais ce que je vais faire. J'ai du montage à faire. Eh oui. Il faut que je fasse du montage. Parce que j'ai rien. Bon, allez. Profitez à max. Bon appétit, bon apéro. Et puis, voilà. Ça va bien, le rideau. N'empêche, ça me cache bien de l'extérieur, on me voit pas. Hein. Bon. Et est-ce que cet hiver, on va démarrer le petit poêle à bois? J'ai encore jamais testé. Oui, Robin, on n'est pas possé d'avoir l'hiver. Hein. Bon, j'aime la chaleur. Regardez comme c'est beau. Deux loups à mes pieds qui mangent. Ils s'entendent super bien, ces chiens. Ces deux-là, ils font les 400 coups. Partout, ils suivent, partout. Donc du coup, vu que Snow il est revenu et que c'est l'heure pour sa gamelle, il y avait Shadow, hein, ce qui est normal, j'en profite. Hein. Les collègues, ils font pareil. C'est ça, voilà. Les gens de la route. Il n'y a pas de chichi, c'est comme ça. Personne n'est mis de côté. Franchement, cette saison, enfin même la saison dernière, hein, franchement, les copains, ils sont là pour les copains, quoi. Donc là, je suis venu chercher, là. Le petit Juju, lui, c'est un viandard. Et il adore les côtes de bœuf. Donc, ce soir, on y a mis dans mon frigo. Parce que, vu que j'ai un big frigo qui refroidit super bien. Regardez, deux côtes de bœuf. Regardez ça un peu, les amis. Regardez la taille de la côte. Oh, elle est énorme. Il y en a deux. Une, deux. Plus la petite bière qui va bien. Et puis voilà, on va se mettre bien, ça, comme d'hab. Hein. Doucement mais sûrement. Et puis voilà quoi. Alors, moi j'ai commencé. Hein, parce que moi j'ai du trajet. Hein. Je suis à 100-200 mètres. Donc j'ai pris soif. Donc voilà. J'attends que les chiens ils finissent de manger. Ils vont manger, boire. Et puis on va y retourner. Comme ça tout le monde est content. Voilà les amis. Bon ben moi ça va vraiment de mieux en mieux. Regardez-moi ce ciel. Oh, mais je me répète. Hein. Vous avez vu ce ciel? On se croirait je ne sais où. Je fais bizarre. Ouais je vais de mieux en mieux. Donc là demain je vais prendre rendez-vous avec le médecin qui m'a donné l'arrêt. Pour qu'elle me fasse une reprise de travail. Et puis voilà quoi. Donc normalement à partir de lundi je pourrais rattaquer. Mais bon je sais pas si on rattaque lundi ou mardi, mercredi, j'en sais rien. On verra les amis, bon je vous laisse. Putain, il se régale. Hein. Ah il se régale tous les deux. Bon allez. Avec mon camion tout propre. Ah j'ai fait un gros coup de ménage. Hein. Je me répète, mais quand c'est propre comme ça, on est content, hein, forcément. Bon allez. Apéro. Apéro. Ah j'ai passé à la petite 33. Bon les amis, quand je dis que la poisse, il y a la poisse, bon ben j'ai la poisse pour moi. Enfin j'ai eu la poisse, mais non ça va mieux, hein. Comme vous voyez j'arrive à marcher et tout. Vous savez ce que c'est ça? Je vais me mettre un peu plus au jour. Là c'est la nuit qui arrive. Hein. Multimètre,
Donc voilà, les collègues qui sont garés là-haut, ils ont un espèce de jumper, jumpy, je sais plus, jumper, enfin un fourgon aménagé quoi. Et ils sont tombés en panne de batterie. Donc on a fait le test auparavant avec le multimètre et un booster. Au booster, le camion démarre et moi je teste batterie morte. Donc ils achètent une batterie neuve. On vient de faire le montage de la batterie neuve. Le problème, c'est que il n'y a plus rien. Le camion, il n'y a ni courant, ni démarrage, il n'y a absolument rien, rien, rien. Là, c'est vraiment la cata. Donc, je suis venu chercher le multimètre pour contrôler la batterie neuve qu'ils ont achetée, si elle n'était pas en défaut ou complètement HS, hein, mais ce qui m'étonne aussi, hein, franchement, une batterie, moi, jusqu'à maintenant, toutes mes batteries sont chargées à peu près à 80%, quoi. Et là, ils sont vraiment en galère, quoi, et... je vais essayer de chercher la panne, mais je connais beaucoup de choses, mais là ça me dépasse en fait. Ça me dépasse, je vois pas le problème, donc je vais déjà faire un contrôle de batterie, on va voir. Mais il n'y a rien de gagné. En plus, camion qui commence à avoir un peu d'électronique, hein. Voilà, c'est ce que je dis toujours, les amis. Dès qu'on rentre dans l'électronique, c'est misère, valise, machin, passe au garage, paye, t'en as pour une fortune. Et alors que ça peut venir d'une merde que, voilà, d'une merde électronique, quoi. C'est pas mécanique, là, c'est électronique, hein. Pour moi, c'est électronique. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente de mon camion, quoi. Que j'avais trouvé la panne de cette fiche. Excusez-moi, je suis essoufflé parce que je suis en train d'escalader. Hein. Malgré la fin de mon lumbago. Non, ça va mieux. Comme vous avez vu dans la vidéo, hein, je me répète. J'ai trouvé que c'était une sonde qui déconnait, quoi. Donc électrique, électronique pour moi. Et alors que j'étais pas en panne du tout. Et là, par contre, c'est la cata. Franchement, les amis, je sais pas si je vais y arriver. J'arrive à tout, mais là, ça me dépasse. Ah, excusez-moi. L'écran, les téléphones, ils bougent un peu. En fait, je fais du trial. Trial poursuite. C'est quelque chose à dire? Tu m'attendais, mon bébé? Bevy m'attendait, mon bébé. Allez, on y va. Donc, je vais vous laisser. Je suis essoufflé. Je vais vous laisser les amis, on va vite regarder ça avant la grosse nuit là. Et puis d'ailleurs ça se couvre, hein, c'est bizarre, ils annoncent pas depuis, hein, mais bon, on ne sait jamais. Sinon, j'ai regardé la vidéo, ouais, elle arrive à ses 30 minutes, hein. Donc comme on dit, ben, comme je dis toujours, abonnez-vous, partagez, likez, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, à dimanche prochain. Et pour mes 2000 abonnés, s'ils ne descendent pas, pour mes 2000 abonnés, j'ai dit que je faisais un live direct. Donc, dimanche qui arrive. Donc, ce dimanche. Donc, ce soir même. Donc, ce soir même, je fais un live direct aux alentours de 19h. Si mes abonnés sont restés à 2000. Voilà, parce que j'étais pile à 2000, les amis. Il faut savoir que... si je descends, je vais peut-être pas faire le live, je sais pas. Je verrai, mais bon, il y a beaucoup de choses en compte, là. Donc, je suis désolé, mais bon... je vous tiens informé, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse et je vous dis... Ou à... Dimanche soir, ou à... dimanche prochain. Profitez un max. Moi, je vais... Mécanique. Un max.